En France, on a eu Napoléon Ier, mais saviez-vous qu'aux États-Unis, ils ont aussi eu un empereur En fait, en pleine période de la ruée vers l'or, Joshua Norton termine l'année 1858 totalement ruiné, et du coup, il est dégoûté de la vie et du système politique du pays. Et logiquement, il va s'autoproclamer empereur des États-Unis et protecteur du Mexique sous le nom de Norton Ier. Il va inspecter quotidiennement la ville de San Francisco dans un uniforme bleu à épaulettes dorées, et il va écouter attentivement ses sujets. Il va prendre très à cœur son nouveau rôle. Hein, il va publier de Nombreux décrets impériaux qui ne sont jamais suivis, bien évidemment. Et sa douce folie, on va dire, et ses bonnes intentions vont le rendre très populaire auprès de ses sujets. Et lorsqu'il meurt en 1880, son cortège funéraire réunit pas moins de 30 000 personnes. Encore une fois, hein, l'Amérique nous prouve qu'avec de la volonté et beaucoup de culot, bah, c'est plutôt facile de devenir un dirigeant low-cost, même si ça a aucune conséquence sur le pays qu'on dirige.